Avril à 20h30 sur Combat Sport. Je suis Kazutaka Otsuka, je suis petit-fils de Fandeta de Wado Ryu. Je suis né en Tokyo et j'habitais plusieurs années en Tokyo. Il y a 10 ans, je déplace en France, en Montpellier. Je commence à enseigner karaté en France et Europe aussi. C'est divisé. Hein? Ok, ouais. Quand j'étais petit, je fais de karaté avec mon père, mais je n'aime pas beaucoup de karaté, donc je commande mon père pour quitter le karaté, mais il a mis moi à Iaido. Donc je continue Iaido il y a beaucoup d'années, 11 ans, 12 ans. Et en même temps, je fais judo aussi, et lutte aussi, et aikido aussi. Et quand j'étais 17 ans, le comité de Wado Ryu qui commence à penser c'est qui vient de la troisième génération. Donc ma père qui attrapait moi encore et mettait moi à karaté quand j'étais 17 ans. Comme ça, je commence karaté. Déplace pied aussi, hein. C'est sur le livre ici, avec le genou là dessus. Déplace autre côté. Pas juste tourner le bras, c'est étirer le bras. Les lignes à côté de l'épaule. Pente, étirer le dos. C'est pas juste pour lire le bras. Pente, tourne, saute, tourne, étirer le dos. Pente, saute. À la fin, laissez. Oh mon Dieu, c'est bon, première chose, c'est parler français. C'est mon premier problème. J'essaie de parler beaucoup, mais encore difficile, hein, complet au japonais. Mais beaucoup de Français qui disent au japonais aussi est difficile. Ouais. Mais c'est après ça, façon d'enseigner mon karaté en Japon et France, c'est vraiment différent. Sur les premiers 3-4 ans, quand j'étais enseigné karaté ici, j'enseigne comme j'enseigne en Japon. C'est pas vraiment intéressant pour beaucoup de personnes. Hein. Donc, je petit à petit changé de façon d'enseigner mon karaté ici, adapté à la façon européenne. Après, chaque année, j'essaie de trouver beaucoup de différentes façons d'enseignement. Et c'est continu maintenant aussi. Hein. C'est la première personne qui donne Gakuzuki Chila. Donc,
Sasha. Sasha. So, bam, bam. Ne tout de suite, Maïgiri. Bam, tu là. Gauche. Personne qui nous donne le gakuzuki, pan gakuzuki tout de suite au cul ici. Mais après, au cul hanche, saute. Ah, c'est pas le pied premier. Qui premier au cul premier, encore le bassin qui laissait avant et attraper le coup de pied. Contrôle ça premier. Pour au cul derrière. Rapidement. Ok? Allez! Gakuzuki. Pan, pan. Wesh. Oui. Ouais, attention. Le maïgen qui n'occupe pas le jambe, c'est souvent c'est attrapé le jambe. Donc, tout de suite, pour les jambes. Voilà, ça c'est éviter de me taper en jambe. Bonjour. C'est en France, j'aime beaucoup l'art. Je fais de câbles de bois aussi. Et je trouvais agile ici. Fait de, avec terre, fait de quelque chose, petit objet. Ça, c'est vraiment intéressant pour moi. Ça, en Japon, c'est difficile pour trouver ça. Mais en France, c'est pas tout. C'est bon loisir. Deuxième, c'est Chudan, mais c'est même temps que tu utilises avant-bras pour garde aussi, et then tap. Avec c'est étirer le dos, comme un entre. Et après, ajouter le maïgiri encore. Ça n'est pas. Okay, il est plus courbé, plus près le deuxième. Okay. Toi, tu me... Non, toi tu travailles tranquillement. Voilà, ça marche ? À toi. À toi, vas-y. Tac, tac. Voilà, plus près encore dans le deuxième. Ok. À toi. Voilà, c'est ça. Pardon, ça va ? Ouais, ça va. À toi. Vas-y. Voilà, c'est ça. Le deuxième, c'est impossible d'arriver. Donc, bam, saute. Après, étirez le corps. Bam, et mettez aussi votre course. Saute. Pour que le jambe derrière. Et course. Deuxième, c'est le viandre, c'est plus facilement. Avancez votre corps. Oui, karaté Wado Ryu, normalement karaté qui commence en Okinawa, mais Wado Ryu c'est commence en, en Japon, spécialement mon grand-père qui a habité en Tokyo, et avant il a commencé karaté, il a fait jiu-jitsu. Quand Funakoshi Seki vient de Tokyo, il est entré dans son dojo, il a étudié karaté. Après, il est parti à Funakoshi Sensei, il est coulé de nouvelles façons karaté, mélangé avec jiu-jitsu et karaté. Donc, Wado Ryu, c'est un peu différemment que autres karaté de Okinawa. Plus fluide, et beaucoup de techniques. Absorber de l'énergie du partenaire. Et il utilise cette énergie pour contrôler la technique. Ça, c'est. Je pense que c'est un peu différent que d'autres arts martiaux. Alors,
C'est pas. Après baisser la tête, c'est. Ça c'est au maximum. Hein. C'est tout possible. D'accord. Mon méthode c'est non. J'essaie d'enseigner comment courir l'énergie de l'intérieur du corps que juste utilise le muscle extérieur. Ça, c'est pas facile. Hein. Mais quand une personne pense à le professionnel de sport, joyeux de sport, il est toujours utilise l'énergie de l'intérieur que le muscle extérieur. Ça, c'est plus facilement contrôlé. Mais comment trouver comment utiliser ce type de muscle, c'est difficile. Ça, c'est tu essaies, enseigne avec le karaté Wado Ryu. Mais si à compétition, c'est au début de compétition, mon grand-père qui essaie, développer de compétition. Hein. Mais maintenant, c'est la compétition, il est bien donné plus comme le sportif. Hein. C'est pas beaucoup l'idée de art martial traditionnel. Hein. Donc Wado Ryu, il est bien donné, c'est un peu différent que le sportif karaté. Je ne sais pas, ne sont fait la même chose comme la compétition maintenant. Donc c'est très difficile pour Wado Ryu. Toujours attraper un côté de là. De garder bonne position. Et après, contrôle le queue. Et étirer le queue. Et après, comment se mettre les jambes. Tu peux le faire aussi. Après. De toujours coincé ici. Hein. C'est possible d'attraper le bras un peu pendant le contrôle. Comme ça. De le libre. De maintenant, c'est besoin de retirer là avec la pose. Comme ça, il est accepté. Ton bon truc. Good. Il est relâche. C'est le coup, c'est tout droit. Encore il est peu. Bon, quand il est serré ici, il est plus serré encore. Donc, ouvre ici. Good. Et de attraper saute le coup. Comme ça, c'est. Ça. Pop back, c'est. Aïe! Aïe! Il a dit, c'est là, tu tires. Beaucoup d'entraînement, ouais. Dépendant de comment entraîner. Hein. C'est entraînement juste sans penser, juste bouger le corps, c'est pas bien. Mais quand vous êtes entraîné, tout le monde a besoin de penser. Pourquoi nous avons besoin d'entraîner comme ça? Si le but est toujours clair, ça c'est n'importe comment tu fais du entraînement, ça va. Mais sans penser, juste continuer le corps, c'est aucune chose qui est trouvée.
Non, c'est tout le monde ici, tous les gentils. Hein. So, spécialement au Japon, c'est très difficile pour changer le traditionnel. Mais ici, quand je garde quelques bonnes idées, tu essaies. Mais élèves qui acceptent plus facilement qu'on plaît au Japon. Le Japon, c'est traditionnel, traditionnel. N'importe comment c'est changé, c'est pas façon de Japon, mais en Europe et en France, ça c'est très facilement, tu peux le faire. C'est parce que tous les élèves déjà avoir une bonne idée pour contre les nouvelles choses. Besoin de bonne énergie. C'est pas juste toucher. Hein. C'est pas ça. Hein. Quand vous êtes bloqué, zoom. Zoom. Saute. Tourne, même temps. Ouvre l'intérieur du corps. Good. Good. Tu bloques avec ça. Donc, là, et tu frappes avec l'autre. Ok. Ouais, c'est. c'est difficile, hein. Spécialement, c'est Wadolu, c'est plus difficile pour trouver quelque chose avec Wadolu. J'essaie de développer chaque personne, petit à petit. C'est comme tout le monde comprend l'idée de Wadolu. C'est progresse plus facilement que juste s'en explique quelque chose de chaque mouvement. Pourquoi ne fait comme ça, comme si. Je pense que l'élève s'est perdu quelque chose. Donc, tu peux donner à quelqu'un qui développe Wadolu, c'est comprendre son pourcentage de Wadolu. Comme tourne bassin, retourne, utilise son énergie pour suivre quelques techniques. Bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est, je crois que c'est ici, c'est un peu difficile. Peut-être mieux ici après. C'est pas mal, sauf que c'est la jambe avant, c'est mieux. Okay. Bien. Attention. Shintoïste. L'idée de shintoïste, c'est déjà toutes les choses avec la nature. Ça, c'est mon plus proche de mon idée. C'est contre la nature, c'est bon, c'est pas bien pour le corps ou pour l'environnement. Je voudrais faire quelque chose de très bon pour la nature. Ça, c'est mon philosophie plus proche. Ouais. Si, maintenant, il y a beaucoup de différentes arts martiaux qui courent, comme MMA ou Gracie Jiu-Jitsu. Ouais. Mais si à développer de juste, ce n'est pas physiquement, mais mentalement aussi, c'est développer, ça c'est bien. Mais souvent, beaucoup de personnes qui juste pensent le karaté ou le boxe, juste pour utiliser pour bagarre, ce n'est pas une bonne idée.
C'est bouger le corps, c'est déjà bien. Mais avec le développer pour le corps, aussi à développer mentalement, intelligent. Ça c'est je serai tous les autres matins à Chamacho qui commencent nouvellement à garder l'idée de ça. Voilà, les gens. Attaque gauche, hein. Échauffeur. Allez, hop. Attaque gauche, ça. Je sais pas. Mon bise, je sais pas, hein, le futur de moi, c'est toujours je essaie à trouver quelque chose, mais c'est le but, c'est toujours changer. Mais, so, je essaie d'ajuster tout le temps, mais c'est, je pense toujours je vais dans la même direction. Mais encore, j'ai besoin de pour le moment trouver quelque mon but de, à la fin. Ouais. L'école de Wado Liu, c'est Wado Liu, quelques dojos qui utilisent le nom de Wado Liu. Je peux donner à tout le monde comprendre de façon Wado Liu. Maintenant, c'est beaucoup de dojos qui peuvent changer quelques techniques de Wado Liu origine, dépendant de la compétition. Mais quand il est changé comme ça, ce n'est pas le Wado Liu. C'est Wado Liu, c'est plus comprendre votre corps, l'intérieur, ou votre caractère de l'intérieur, avec entre les mondes, façon Wado Liu. Donc, c'est tous les dojos qui suivent Wado Liu, je serais comprendre tout le monde
Ce n'est pas juste physiquement entraîné. C'est mentalement aussi, c'est intelligentement aussi. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez développer avec Wadimio. À Tomacho aussi.